الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مفراز السير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le point que nous voulons mettre en évidence aujourd'hui est un point très essentiel, un point qui nous concerne tous. C'est lequel? C'est ce qu'il faut faire quand on rencontre des doutes dans sa foi. Des gens se sont plaignés et continuent toujours à se plaindre de ces phénomènes-là. Parfois, il y a des pensées noires, très négatives qui nous viennent, qui sont tellement fortes et effroyables que nous n'osons même pas d'en parler. Par exemple, on se demande quelquefois, est-ce que la résurrection est vraie? Est-ce qu'il y aura vraiment du paradis ou de l'enfer? Est-ce que le prophète alayhi salam était réellement messager? Des questions de ces gens-là. Quand cela t'arrive, rassure-toi et ne te panique pas, car ces pensées ne viennent qu'aux véritables croyants. Au point que le prophète alayhi salam les ont qualifiés de Sarihul Iman, la foi claire. Abu Huraira nous raconte dans un hadith authentique qu'un groupe de gens sont partis interroger le prophète alayhi salam en lui disant Yajidu ahaduna fi nafsihi ma yata'azamu an yaqula. L'un d'entre nous éprouve des sentiments tellement effroyables qu'il n'ose pas d'en parler. Alors le prophète dit Awaqad wajadtumu? L'avez-vous vraiment éprouvé? C'est ça la foi claire, c'est ça la véritable croyance. Parce que Shaitan, la'natullahi alayhi, quand il n'arrive pas à t'égarer, à te mettre dans les mauvais chemins, il essaie de semer des doutes dans ta foi. Maintenant, comment remédier à ces phénomènes-là? Le prophète alayhi salam nous a donné le remède dans un autre hadith, également rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète alayhi salam dit Yati ahadakum ash-shaytan fa yaqulu lahu man khalaqa kadha wa kadha hatta yaqul man khalaqa Allah fa idha wajada ahadukum dhalik falyasta'id billahi wal yantah. Le shaytan vient à l'un d'entre vous et lui dit qui a créé ceci, qui a créé cela. Il lui dit par exemple qui a créé le ciel, qui a créé la terre. La réponse sera toujours Allah. Et enfin, il lui dira qui a créé Allah lui-même. Quand l'un d'entre vous arrive, quand il arrive à ce niveau, qu'il cesse d'y penser et dise A'udhu billahi minash shaitan rajim. Alors, pour remédier à ces phénomènes, il y a trois étapes. La première est de dire A'udhu billahi minash shaitan rajim. La deuxième est de cesser d'y penser. La troisième est de dire Amantu billah. J'ai cru en Allah. Si tu arrives aussi à ajouter Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim, ça sera encore meilleur. Qu'Allah nous protège contre les shaytans. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.